Nous sommes à Rottenneuf, dans un quartier bien particulier de Saint-Malo, un quartier bien typique, et nous sommes en compagnie de Myriana et Jean-François à l'Esprit de famille. Bonjour Jean-François, bonjour Myriana, Bonjour Emmanuel. merci Bonjour. d'accueillir les Malouins dans la course. Alors expliquez-nous l'Esprit de famille. Donc c'est d'abord la réunion de deux familles hein, qui nous concernent directement. Et puis Rottenneuf, c'est aussi l'esprit de famille au sens large, c'est-à-dire des familles qui se réunissent quand les vacances scolaires arrivent ou à d'autres moments importants de l'année. Et ici, ce que nous souhaitons, c'est faire partager cet esprit de famille, à la fois une rencontre entre les habitants de Rottenneuf et les gens qui viennent de l'extérieur. Voilà, c'est un lieu de rencontre. C'est vrai que c'est avant tout notre maison qu'on a ouvert pour s'intégrer au cœur du quartier village. Et puis nous y avons eu notre petit garçon, Césambre, qui lui est le lien effectivement de nos deux familles et qui ici accueille les enfants des habitants du quartier qui s'intègrent au quotidien. Et nous, on a eu envie de faire partager cet art de vivre au quotidien, cet esprit de famille, qui est un esprit de famille au sens large pour les gens qui découvrent notre maison d'hôte, mais aussi notre boutique, notre univers, et qui ont envie, en fait, voilà, de s'approprier ce lieu et de le vivre au quotidien, que ce soit par la déco, par le séjour, en prenant un thé sur la terrasse, en y retrouvant des amis, des copines. Et c'est vrai qu'on s'y sent bien dans cette maison parce qu'il y a en effet un ensemble d'activités. Activités à la fois où on peut prendre un café tranquillement, mais aussi où on peut acheter, je dirais, un certain nombre de biens, de souvenirs, et puis aussi où on peut prendre, je dirais, un peu plus le temps Voilà, en bénéficiant de votre c'est-à-dire chambre d'hôte. qu'on y accueille aussi des artistes hein, qui y exposent leurs photos. On a aussi des intervenants qui organisent des ateliers. Et donc les gens découvrent la maison et s'y intègrent et ça crée du lien. Et c'était ça notre souhait en fait. C'était de faire partager notre univers et en fait notre art de vivre ici Eh au bien, dites quotidien. donc, c'est un sacré univers, un univers à portée de tout le monde, des Malouins, puisqu'on est à Rottenneuf, on est dans un quartier de Saint-Malo, Quartier-village, oui, c'est et ça. quartier-village, oui, en C'est un peu effet. sa Et on spécificité. vous dit, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh ben, de venir nous retrouver ici, d'y passer du temps et voilà, de pouvoir être aussi attachés que nous à ce petit bout de Saint-Malo. Eh bien, écoutez, on va noter cette adresse précieusement. Et on vous dit à très bientôt et on vous remercie en tout cas d'avoir accueilli les Merci. Malouins dans la Merci à course. vous. Voilà, Merci à merci à vous. vous, Emmanuel.